Je vais en craquer une pour voir si j'ai des visions. C'est jamais. J'adore le marché aux puces, les marolles, tout ça. C'est vraiment un quartier qui a encore une âme. Ça m'inspire beaucoup, moi, pour toute ma série du commissaire Léon. La plupart se passent ici. Et puis, Pandore, c'est aussi un peu mon Bruxelles à moi et à Magritte. J'adore ce fatras de broles, de choses. On dit des broles chez nous autres. C'est jouissif. Alors, il y a surtout un truc avec ce bistrot, chez Lynn et Willy, c'est un endroit inénarrable, c'est un des plus vrais encore des Marolles. C'est ma famille, c'est mes amis, et j'ai situé pas mal de mes histoires là, parce que c'est vraiment, vraiment drôle, il se passe des trucs incroyables. C'est une mine. Il faudra avoir une caméra plantée tout le temps chez lui. Willy, il a des bacchantes, il a un côté gitan, et Lynn, c'est une figure de Bruxelles. C'est encore une des dernières maroliennes qui parle avec un accent juteux, qui engueule les flics, et qui dit avec un accent bruxellois, « Toi, t'as pas intérêt à m'emmerder hein, quand t'es loin, flic, parce que tu as couché plus souvent dans mon lit que dans celui de ta femme. » Voilà. Venez avec moi, alors. Vous êtes avec moi ? Moi, je sais pas jouer. On va jouer tous les deux. On va danser ? Ouais. On va danser. D'accord ? Ouais. Allez, 1, 2, 3. On va valser. Voilà. Vous appelez comment ? Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Oui. Et vous ? Nadine. Ah voilà. On va se marier. On va se marier ? Oui. Voilà. Je vais me marier avec Jean-Pierre. Mais c'est quand même incroyable qu'on laisse un piano comme ça. Oui, c'est vrai. Merci. Hein. Et ben voilà, j'en parlais tantôt. Il y a le musée d'art fantastique qui est assez incroyable ici, rue américaine. Ben santé, hein. Voilà, c'est un endroit ici où il y a encore. On a l'impression que tout est possible, qu'il y a encore une certaine joie de vivre. On rencontre quelqu'un dans la rue, on joue du piano avec lui. On se connaît pas, puis c'est des beaux moments comme ça, comme des petites étoiles sur le chemin. Et ça, c'est possible ici encore. C'est pour ça que ce lieu m'inspire. J'ai beaucoup de tendresse pour tous ces gens ici.